tu avais à faire, c'était de m'acheter des croissants. Comment tu as pu faire ça? Idara, en fait, j'avais garé la voiture quand une femme est venue et m'a éclaboussé. Alors où est-elle, dis-moi? Où est cette femme? Tu l'as laissée partir? Heidi, j'ai... Heidi, ne m'appelle pas tout le temps. Heidi, tu as toujours des excuses. Je suis désolée. Je t'ai dit de m'acheter des croissants et regarde ce que tu me vois. Hey! Mais c'est quel genre de folie que tu as? C'est ta mère qui est folle. Si tu oses insulter ma mère encore une fois, si tu oses te prendre à elle, tu vas voir avec moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que le monde entier te regarde pour ça? Elle est vraiment trop folle, celle-là. Vas-y, répète ce que tu as dit. Sois courageux et répète. Qu'est-ce que tu vas faire? Que comptes-tu faire? Idara! Que feras-tu? Hein? Idara, Idara, calme-toi. Je crois que tu as une réunion urgente. Oui, maman. Je ne pourrai pas déjeuner et en plus, je vais arriver en retard à cause de ce bon à rien. Je voulais lui rendre service. Oh, tu m'as je suis parti à la boulangerie. Est-ce que je t'ai envoyé, maman? Il a proposé de m'acheter des croissants. Et il a demandé ma voiture en plus. Est-ce que oui, je ressens dans ton que auto que tu cries sur moi? Dis que tu es un sorcier. Mon ami, donne-moi ma clé. Allez, donne-moi ma clé. Ramasse-moi cette clé. Dike. Dike. En plus, tu t'en vas? Continue ainsi. Ne t'arrête surtout pas. Tu fais comme si je parle à un sourd, c'est ça? Mais où va Dike avec le pain? Mais... Oh. Personne n'a vu cela venir, donc on n'a pas préparé d'alternative. Et compte tenu de la situation, nous avons décidé de tout arrêter jusqu'à ce que la situation connaisse une nette amélioration. Je suis désolé. Mais, monsieur, certains partenaires vont travailler en ligne, n'est-ce pas? Je ne pense pas que cela soit possible. Comment peut-on travailler en ligne quand l'entreprise ferme pour toujours? Mais, je peux bien venir les week-ends. J'espère vraiment que nous pourrions travailler ensemble à l'avenir, étant donné la présente situation. Alors... Est-ce que tout va bien? S'il vous plaît. Excusez-moi. Non, non, non! Vite, vite, vite! Je suis vraiment désolé, c'était stupide de ma part. Je ne sais pas quoi faire.
Idara? Oui, maman, tu peux entrer. Idara. Est-ce que tu ignores la situation actuelle ou alors tu es complètement stupide? Un peu des deux, je suppose. Écoute, si tu n'as rien à faire de ta vie, pense au moins à moi. Cette maladie est très dangereuse et tu le sais. Maman, ils vont bientôt mettre les gosses en confinement. Je vais finir avant qu'on ne soit tous en prison. T'en fais pas. Comme je suis un peu stupide, je vais t'apporter du gel à main désinfectant, hein? Ok, à plus, maman. Tu ne vois pas ma position? Regarde, tu parles trop. Si je ne passe pas à la caisse, personne d'autre n'y passera. Je te mets au défi. Si tu es un homme alors approche. Tu penses que tu peux m'effrayer, c'est ça? Essaie pour écoute, voir. Écoute-moi, je ne parle pas trop. Ah. Tu verras ce qui va se passer. Et vous, qu'est-ce que vous attendez depuis, là, hein? Ne m'énervez pas, sinon je vais tout mélanger, là. Ah, mon frère, calme-toi, oh. Pardon. Toi aussi, calme-toi. Ne me cherchez pas, c'est moi qui vais passer. Tu verras bien, espèce d'idiot. Tu penses que t'es fort, tu verras bien. Madame, s'il vous plaît, gardez ma place. Je dois répondre à cet appel, urgemment. Tu t'amuses avec moi? Merci. Tu me connais pas. Tu sais pas comment on m'appelle au quartier. Tu vas voir. Boss, je vous en prie, ne dites plus rien. Je vous assure que c'est aujourd'hui. Je suis même à la banque comme ça. Vous allez avoir votre argent aujourd'hui. Je vous assure, monsieur. Je vous avais même envoyé un message vocal. Allô? Allô? Hé, mon frère, t'as pas encore fini? Il n'a pas encore fini. Allez, dépêche-toi, bon sang. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu penses qu'on va passer toute la journée ici ou quoi? Dépêche-toi. Dépêche-toi. Il est lent comme une tortue. Eh bien, je suis là. Juste toi et moi maintenant. Personne ne pourra m'éloigner de toi. Oh, encore, mais qui est-ce que ça pourrait bien être cette fois-ci? Oh. Hey, allô mon bébé. Mais tu m'as complètement oublié. Mais ce n'est pas possible mon amour. Je suis juste occupé au bureau. Mais comme les banques sont en train de fermer, alors je m'inquiétais pour toi. T'inquiète? Pourquoi? Tu sais bien que je vais travailler depuis ma maison, tu le sais bien. Alors tu n'as pas du tout à t'inquiéter, hein? Donc, tous les gosses seront en confinement? Bah, plus ou moins. Jusque-là, on attend toujours l'information officielle. Ce n'est qu'après cela qu'on sera tous en confinement, sinon tout va bien jusqu'ici. Et toi, comment tu te portes? Je suis restée seule ici parce que tout le monde est parti. Donc moi aussi, je veux voyager. J'hésite entre aller à Lagos ou plutôt à Delta. Oh, bébé. Tu dois plutôt aller à la maison chez tes parents pour rester avec eux. Nous avons tous besoin de rester avec ceux que nous aimons vraiment, tu le sais bien, hein? Oh, non. Ne suis-je pas ton amour? Allons, bébé, tu sais bien ce que je veux dire. Mais bébé, c'est plus facile de venir à Lagos et après j'irai à Delta State. Bébé, tu sais quoi? Je vais t'envoyer de l'argent. Et tout ce qui te restera à faire, ce sera d'obéir, ok? Qu'en penses-tu? 10 000 naira, est-ce que ça suffira? Complète à 15. C'est pour cela que je t'aime tant, bébé. C'est sur quel compte que je dois t'envoyer l'argent? T'as un compte GTE ou un compte UBB? Fais le parc GTE. Je vais attendre. Tu aimes beaucoup trop le sexe, hein? Hein? Je sais que c'est la seule raison pour laquelle tu veux rejoindre ce jeune, juste pour pouvoir le fatiguer. Est-ce que c'est avec ton corps que j'ai des rapports sexuels, dis-moi? Quand il va m'envoyer l'argent, c'est pour dire d'acheter une domie avec le poulet. Mange ton domie, je n'en ai pas besoin.
Je ne peux pas continuer comme ça. Non. Qui ça peut bien être? C'est mieux que la mort. Bonjour. C'est la dernière commande? Oui, madame. Ok, ne prends plus de commandes jusqu'à ce que nous ayons l'autorisation de travailler pendant le confinement. Et que disent les livreurs? Ils veulent travailler pendant cette période? Certains parmi eux voyagent et d'autres voudraient garder la moto. Garder mes motos? Ils sont fous. Tu t'es certainement trompé de personne. Si tu veux me voir, tu sais où me trouver. Ne me fatigue pas. Je savais bien que tu allais me dire ça. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Qui est-ce que tu veux impressionner? Madame Idara, est-ce que je peux... Oui, tu peux aller. Je peux? Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux que j'aille droit au but? D'accord. Je veux que tu me prêtes de l'argent. Un prêt. Un prêt bonifié. Pourquoi je devrais te l'accorder? En plus, nous ne sommes plus ensemble. Donc je n'ai aucun intérêt Idara, à te le donner. Je ne t'ai pas demandé un cadeau, mais plutôt un prêt. Pourquoi tu demandes un prêt le 3 du mois? Parce que je sache que tu travailles? C'est ça le problème avec toi. Tu poses toujours des questions. Si tu ne veux pas me le prêter, tu me dis et je pars d'ici. Je n'ai pas envie de te faire un prêt. J'en ai vraiment besoin. Eh bien, je m'en fous. Non. Ce n'est pas vrai. Mon ami, pardon. Éloigne-toi de moi. Tu penses que tu es trop sensuel? Idara, je t'en prie. Je vais te donner 100 000 à la fin du mois, selon mes conditions. Et quelles sont les conditions? Tu travailleras pour moi en tant que livreur durant le confinement. Donc, si ça te convient, dis-le-moi. Moi? Devenir ton livreur. Voici ton casque.
Idara. Je suis fatiguée de tout ça, haut talons, perruque, soutien-gorge, j'en ai marre. Comme c'est fatigant. Joue un peu, maman. On frappe à la porte. Qui est à la porte? Maman, quelle maman? Maman qui a les bonnes manières, mais qui refuse de frapper à la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Le moins que tu puisses faire, c'est de te donner un peu de mal pour te laver les mains à l'entrée. Et ça recommence. Maman, je travaille dans une entreprise de logistique au Nigeria et non à Huyan en Chine. Pourquoi es-tu si têtu? Égoïste. Regarde tes frères, ils se soucient de moi, mais toi, pas du tout. Non, ça ne peut pas marcher. Pourtant, c'est toi que j'ai allaité le plus longtemps. Non, c'est trop long. 2 semaines? C'est trop long, je peux pas. Attends que je parte d'ici. Idara, c'est chez moi ici. Et je ne pense pas que ce soit un fardeau pour toi de te soumettre aux règles, et surtout quand c'est dans l'intérêt de tous. La seule raison pour laquelle je n'ai pas de toi, c'est parce que je me casse la tête pour nourrir cette famille. Ok, même si tu t'en vas, cela ne changera rien du tout. Rien du tout. Pendant que tu ramasses tes affaires, comme je le constate, s'il te plaît, n'oublie pas de recharger le gaz. N'oublie pas aussi de payer les factures. Je ne veux pas qu'on vienne m'encaisser. Et encore une chose. Où est-ce que tu vas? Parce que je ne vois aucune personne normale t'accepter chez elle à cette heure-ci. Qui est-ce? C'est moi, ouvre la porte. C'est beau. Idara, 100 000, ce n'est pas suffisant. Pas mal pour quelqu'un qui travaille depuis seulement 6 mois. Tu pars en voyage? 3 chambres, c'est ça? Une chambre. Ah, une chambre. N'oublie pas que tu avais acheté ça pour moi. Je voulais savoir si tu as bonne mémoire. Assez confortable pour moi. Je ne vais pas arriver dans ta chambre. Tu as un problème d'éclairage. Est-ce que tu as des... Hey, attends. J'espère que tu ne comptes pas rester ici. Oh, j'ai oublié de te signifier. C'est l'une des conditions pour ton prêt. Oh. Idara, 100 000. Ce n'est pas assez pour que tu restes, ne serait-ce qu'une semaine. Ramasse tes affaires et va-t'en. Et si je complétais à 150? Non. En plus de la nourriture que je vais fournir. Tu vas te coucher dans le sofa. Bien sûr. Et ne te mêle pas de mes affaires. D'accord. Comporte-toi comme une femme normale. C'est compris. Où est la nourriture? Dans mon coffre. À
qu'à ton retour, n'oublie pas mon sac. Tu portes toi-même ton sac, ok? Hey! Ouais! Je suis le meilleur. Ah. D'autre, viens ouvrir la porte. Qui est-ce? C'est moi. Ah. C'est pour une livraison? Mais il fait tard, vous travaillez pour qui? Qui es-tu pour me poser une telle question? C'est à moi que tu t'adresses. Heidi, attends, je t'en prie, attends. Attends, pourquoi? Bébé, qu'est-ce que tu fais ici? Donc, c'est la raison pour laquelle tu voulais que je rentre en famille? Oh non, bébé, Heidi, c'est ma collègue, nous sommes des partenaires. Partenaires, c'est ça, avec des bougies romantiques. Romantique, ma chérie, c'est pour la méditation. Elles permettent de calmer ton esprit pour pouvoir mieux se concentrer. Attends, c'est ta chérie? Tu as raison. Je préfère retourner en famille. Bébé. Ne m'appelle pas. Bébé, Idara, je t'en prie. Attends. Attends, bébé, écoute. C'est ma collègue. Et nous travaillons sur le même projet. Et tu sais, nous avons trouvé bien de venir ici, habiter ensemble pendant un moment pour travailler durant le confinement. Tu comprends un peu? C'est tout, bébé. Et c'est tout. Je m'en fous. Va me descendre à l'hôtel. Bébé, il est impossible d'avoir un taxi. Il fait tard. Et quel taxi? Où est ta voiture? Elle a une panne actuellement. Je l'ai mise au garage, oui. Tu sais, je m'en fous. Tu ne m'as pas envoyé de l'argent. Et en plus, tu n'es pas venu me chercher à la gare, bébé, n'est-ce pas? Bébé. Tu me racontes des âneries. Oh. Laisse-moi passer. Arrête bébé. De me raconter des âneries. Attends, bébé. Allez, lâche-moi. Attends, bébé. Non, mais quel genre d'éducation a reçu cette stupide fille? Imbécile. Oh, donc toi, tu as 15 000 à dépenser à l'hôtel. Mon frère n'abîme pas ma voiture, oh. J'ai compris. Tu fais comme si tu as une voiture. Bébé. Oh, bébé. Écoute, on est en train de violer le couvre-feu. De grâce, viens monter. Bébé, je t'en prie, viens. Écoute-moi, bébé. Écoute, je suis désolé. J'avais oublié à cause de la fatigue, bébé. Mais tu sais, tu aurais dû me le rappeler, hein? Bébé, est-ce que je t'ai déjà fait ça auparavant? Dis-moi. Et vous, passez ici. Monte vite, monte vite. Allez, monte. Dieu merci. Allez, entre, bébé. Allons, hein? Écoute d'abord, hein? Va en chambre pour prendre ta douche. Et moi, je vais te préparer de quoi manger, d'accord? Où vais-je dormir? Je ne veux pas être dans la même chambre avec vous deux. Oh, ne t'en fais pas pour moi. Moi, je dormirai dans la chambre et vous deux au salon. Vous êtes d'accord? Vas-y.
Allez, va te changer, bébé. Donc tu as laissé cette raffinée pour ça? Tu n'as pas de goût. T'en prie, écoute-moi bien. Tu ferais mieux d'oublier notre histoire parce que je ne veux pas de scandale ici dans ma maison. Comment tu ne veux pas de stress si tu as une capricieuse comme petite amie? Et j'ai une ex-maniaque. Quoi d'autre alors? Soigne ta manière de me parler, ok? J'espère que tu n'as pas oublié. Pour l'amour de Dieu, pourquoi tu... Seigneur, aide-moi vraiment, écoute, c'est pas possible. Je suis l'espoir ici, ok? Si je ne t'ai pas venu ici, toi et ta capricieuse, vous serez morts de faim. T'es une folle, toi. Ah! Bébé, est-ce que tu veux des fruits? Bébé, je t'en prie. Bébé. Je n'aime pas ce que tu fais. C'est à moi que tu as fait ça. Bébé, je t'en prie. Comment peux-tu faire venir une femme chez toi? C'est quel genre de travail, ça? C'est une start-up, bébé. Ça consiste à faire quoi? Nous travaillons dans une entreprise agricole, d'accord? Mm-hmm. Ce que nous faisons, c'est... Nous sommes en partenariat avec des entreprises agricoles du pays. Et nous les connectons avec des investisseurs. Alors, quand ils investissent dans leurs activités au temps de récolte, nous faisons de l'argent. Ok. Est-ce que cela ne va pas affecter ton boulot? Oh, bien sûr que non, bébé. À vrai dire, à l'heure où nous sommes, elle est en train de travailler sur le projet et moi, je vaque à mes occupations. Et quand je reviens les soirs, je ne fais que superviser. C'est pour ça qu'elle est ici. C'est exactement pour ça qu'elle est là. Il ne faut pas que cela affecte ton travail. Ça ne pourra pas, bébé. Écoute, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Mais va laver les assiettes dans la cuisine. Oh, s'il te plaît, je viens de très loin. De grâce, je suis fatiguée. Laisse-moi me reposer. Ok, bonne nuit. Ok, bonne nuit, bébé. Idara? Idara? Heidi, je t'en prie, il faut bien te vêtir. Tu n'es pas chez toi. Idara? Idara? Salut! Le travail, ça avance bien? Oui. Ah, bon boulot. Merci.
Je t'observe et je vois que tu as une bonne éducation. Désolé, merci. Donne-moi la part de Jewel, je vais lui envoyer. Oh. C'est juste là. Viens les presser pour les mettre dans la bouteille et tu vas les envoyer. Donc je vais te nourrir toi et ta capricieuse. Bébé Heidi. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je pourrais avoir une avance sur le prêt? Heidi... La manière dont tu t'emploies pour demander une avance sur prêt n'est pas la bonne. Tu dois me dire d'abord pourquoi tu veux le prêt. Toutes ces grimaces parce que je t'ai demandé de l'argent. Est-ce que tu sais que tu ressembles à ta mère? Dieu m'en garde, ce n'est pas vrai. Tu parles exactement comme ta mère. Tu es en train de tout gâcher. Ah, je t'en prie, donne-moi l'argent, bébé. S'il te plaît, aide-moi. Donne-moi une raison. Bébé? Oui? Viens. Oui, bébé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux danser. Ah, bébé, tais-toi, ne dis rien. Oh, bébé, t'es vraiment splendide. Waouh. Je suis très belle, n'est-ce pas? Oui, bébé. Merci pour le compliment. Viens, on va danser. Attends, quoi? Allez, dansons. Bébé, je t'en prie, c'est... Oui, le volume est trop. Non, allez, le volume viens. Est trop fort, bébé. Laisse-toi faire. Elle travaille, ne la dérangeons pas. Comme ça. N'oublie pas aussi les voisins. Mais c'est quoi ces idioties? Regarde, Heidi, mon compotien bouger. Je t'ai bien entendu, ok? Certainement pas. Tout ça à cause de cette idiote. Bébé, ne l'écoute je pas. Je te demande pardon. Si tu es ici pour travailler, alors vas-y. Bébé. Je ne sais pas pourquoi tu te mêles tout le temps de nos affaires. Bébé. Quoi que je fasse, ce ne sont pas tes oignons. Donc tu la fermes un peu. Je fais ce que je veux avec mon petit répète ami. Ça. Répète je ça sais que je peux faire Heidi, tout ce que Heidi, je veux avec mesdames, mon petit ami. Vous plaît, tu n'as mesdames, rien à calme. Me dire. Okay, hein? Mon cœur, allons-y. Je sais bien que tu veux danser. Mais écoute-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te calmer juste un peu? Bébé, allons, dansons. Attends. Bébé, attends. Écoute, écoute-moi bien. Retourne en chambre et... Pense à... Tu as une livraison à faire à l'Aqua et à la Bodo. Je ne voulais pas trop, mais tu sais, comme nous devons travailler de temps en temps, cela te prendra une journée. Donc, apprête-toi à partir. La Bodo? À l'Aqua? La... Scatter my heart to broke pieces. I don't mind. All I wanna do every day is to... Bébé, de quelle livraison parle-t-elle? Oh, nous avons une entreprise de livraison au sud. Tu sais, à cause du confinement, personne n'est autorisé à sortir alors. Je vais leur faire des livraisons. Mais pourquoi tu portes cette tenue? Tu vas loin. Je peux venir avec toi? Je ne veux pas rester avec elle. Écoute, bébé. C'est... Ouais. S'il te plaît. C'est vraiment loin, ok? Et en plus, la moto prend seulement une personne. Aussi, je ne veux pas te fatiguer. D'accord. Je ne veux pas qu'elle se mêle de mes affaires. Sinon, je vais la mettre à sa place, ok? Oh, je vais lui dire. Reviens vite. D'accord, bébé.
Heidi? Idara? Je t'en prie. S'il te plaît, quoi? Cette fille, c'est ma chérie. Et je sais bien qu'elle peut être souvent... Souvent, elle est désagréable, c'est ce que tu veux dire. Est-ce que tu pourrais me rendre un petit service? Mon cher, vas-y. Service ou pas, il y a couvre-feu, je ne veux pas d'ennui. Tu t'inquiètes pour moi en tant que livreur ou en tant que Dike? Je m'inquiète pour toi en tant qu'être humain. Je ne veux pas être responsable pour quoi que ce soit. Alors, t'es vraiment sûr de toi? Dike, hein? Je dois goûter à ce repas. Salut. Hey, mon gars. Tu fais aussi la livraison? Mon cher, je fais tout. Je fais tout ce qui est possible de faire. Ah, jolie moto. Merci. Qu'est-ce que t'as à l'œil? T'as mal aux yeux? Tu connais le système. Tu sais quel travail je fais. Hein? Pour quel média tu travailles, dis-moi? T'as pas eu de congé? Pour être honnête, non. Parce qu'un journaliste n'a pas de congé. Ah, ce n'est pas du tout facile, mon frère. D'accord, prends soin de toi. Merci, toi aussi. Bonne journée. Bonne journée. Que fais-tu encore dans la cuisine? C'est surtout ceux qui ne savent pas cuisiner qui passent tout leur temps dans la cuisine. Où est-ce que tu as mis l'huile? Je veux cuisiner. Ton attitude est le reflet de ton quotient intellectuel. Tu n'avais jusqu'à me demander pour que je te le montre, c'est tout. Avec ta poitrine plate. Tu es drôle comme fille. Va-t'en. Heidi, l'une de tes qualités, c'est la cuisine. Ce qui est bien chez moi, c'est la bouffe. Tu es normale? Quel est ton problème? Alors, c'est mauvais de te flatter? Ce n'est pas de la flatterie pour ton information. Fais attention à tes mots. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Oui, quelle chose? Sers-moi à manger. Pourquoi tu fais ça? Tu ne goûteras pas à mon repas. Assume tes propos. Heidi? Dans ma maison? Tu... Désolé, je veux dire dans... Dans ta maison. Je t'en prie, serre-moi. Va demander à ta pipi. Tu veux que je te dise? Tu sais quoi? Salut, bébé. Hey, salut, bébé. Je veux qu'on mange ensemble. Tu veux bien? J'ai fait des chips. Bébé, je n'ai vraiment pas faim. Prends ça. Merci, bébé. Tu aimes? Oui, c'est vraiment très délicieux. Ouvre ta bouche. Je n'ai pas faim. Je l'ai fait pour toi. C'est très bon. Bébé. C'est super. Tu en veux encore? Ouvre ta bouche. Là. Là. Bébé, laisse ça demain. Je suis fatiguée. Bébé, je n'aime pas laisser les assiettes sales. Ça fait sentir la maison.
Lave un peu et laisse-la laver les autres, s'il te plaît. Pépé, si t'es fatigué, tu peux aller en chambre, ok? Je vais te retrouver dans très peu de temps. Je peux partir? Ouais, bien sûr. Ok, mais fais vite, je t'attends. D'accord. Dépêche-toi. Ah. Il n'y a rien de bon à la télé ce soir? Hein? Sache que ton abonnement a expiré, Doud. Donc, c'est comme ça que tu m'appelles maintenant? Ça a toujours été ton nom. Parmi les qualités en toi que j'aime beaucoup, il y a le fait que tu prépares bien. Je veux dire que tu es un véritable cordon bleu. T'as un grand cœur. Tu es... une amie généreuse. Et tu es pour moi un amour passionnant. Quoi? Rien. Merci, c'est vraiment gentil. Heidi, est-ce que je pourrais avoir une avance sur le prêt? Ce n'est pas le moment, n'insiste pas. Parce qu'actuellement, tout ce que je veux faire, c'est tremper mes orteils dans l'eau chaude. Est-ce que tu comprends? Avec un bon massage des pieds, n'est-ce pas? Tu sais que je vais te rendre ça. Tu sais quoi? Eh bien, étant donné que tu m'as épargné d'une famine durant ce confinement, et si je te faisais un bon massage des pieds pour que tu sois bien détendu? Ok. Vas-y. On ne peut même pas t'essayer. Allez, dépêche-toi. Madame. Je te rappelle que ma copine est à l'intérieur, alors. Ne fais pas beaucoup de bruit pour qu'elle débarque ici encore une fois. Bébé, je t'attendais à l'intérieur. Bébé. Il y a mon émission qui va bientôt passer. Laisse-moi voir. Voilà. La souscription a expiré. Ok. Alors souscris, fais-le en ligne. Je ne peux pas le faire tout de suite parce que je n'ai pas pu passer au bureau pour faire le dépôt d'argent. En fait, j'ai eu des problèmes techniques, donc je n'ai pas eu l'argent. Je ne peux pas le faire maintenant. Ok. Recharge mon téléphone alors, pour pouvoir me distraire. À tout de suite. Ok, bébé. Pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? De quoi tu as peur? Pardon, je ne peux plus continuer. Et si je t'accordais l'avance sur prêt? Je t'en prie, veille sur la porte. Oh Jésus, Heidi, je t'en prie. Quoi? Arrête ça. Non, bébé, laisse-moi en paix. Oh, mais allons, bébé. Arrête de me déranger. Ma chérie, tu ne devrais pas me tourner le dos. Et alors? Je vais faire du jogging. Tu sais quoi? Je ne vais pas souffrir tout seul. Tu vas aller courir avec moi. Lève-toi. Ah, lève-toi, bébé. Je n'irai nulle part.
Je n'ai même pas de tenue de sport. Ça, ce n'est pas une excuse, ok? Je vais te trouver une tenue. Allez, viens. Allez, viens. Allez. Lève-toi, bébé. Allez. Arrête, s'il te plaît. Allez, enfile ça. Celui-là te va bien? Non. Allez, bébé. Debout, lève-toi. Bébé, dépêche-toi pour quand... J'arrive. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut au moins te respecter, ma chérie. Bébé, on doit y aller. Non, je ne peux pas accepter ça. Elle ne peut pas se mettre nue dans la maison de mon chéri. Mais c'est quelle manière de te séduire, eh ça? Eh bien, c'est son corps, Jewel. Oh, tu m'appelles Joël. Ce n'est plus Jane, ni bébé ou quoi d'autre. Écoute, tu m'appelles tu sais quoi? Par mon prénom, n'est-ce pas? Moi, je vais courir. On se retrouve derrière la cour. Bébé, je n'en peux plus. Marche pour récupérer. Je suis épuisée. Sincèrement, je suis fatiguée. Bébé? Salut. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu habites le secteur? Oui, juste à côté. Et toi? Pareil pour moi. Je peux te prendre une photo? Pourquoi? En fait, je suis un photographe. Et je travaille pour une entreprise de presse. La manière dont tu es assise là en ce moment est très splendide. Oui, mignonne, je t'assure. Mais je ne suis pas bien habillée. Je ne suis même pas maquillée. Et en plus, je suis en sueur. C'est exactement ce que je recherche. Un instant. Ok. Alors, donne-moi ton meilleur profil. Ok? Ok. Ok. Voilà. C'est merveilleux. C'est beau. Excellent. Tourne à gauche. Exactement. C'est beau. Très bien. Vas-y. Regarde ici. Mignonne. JD, c'est mon prénom. Moi, c'est Jewel. Jewelichi. Enchanté, Jewelichi. Est-ce que je pourrais avoir les photos? Oui, bien sûr, dès que ce sera prêt. Oh, ok. Je travaille à Ocean State, directrice de communication. Donc, un jour, on pourrait... travailler ensemble. Oui, génial. J'aimerais. Et c'est beaucoup mieux que le journalisme. Pourquoi? Salut. Ah, oui. Salut. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il était en train de me prendre des photos. Oui. C'est bien ce que je faisais. Alors, où est ta voiture? J'ai pas de voiture. Voici mes voitures. J'ai toujours pensé qu'on venait te chercher, moi. En cette période de confinement, non, non. Je marche et si je trouve une voiture, oui, mais sinon, je marche jusqu'à ma destination. Ouais, jusqu'à ce que la police vienne te prendre. Ouais, c'est ça. Tu as raison. Mais aujourd'hui, je vais au marché pour m'approvisionner. Je reviens d'ici peu. Ravi de t'avoir rencontré. Ce fut un plaisir. Ok. À plus tard. À plus, mon gars. Allez, bye. Allez, bye. Bye. Attends, pourquoi... Pourquoi ce gars t'a pris des photos sans même ma permission? Permission? Dis que pardon, tu n'es pas mon père, ok? Donc tu n'as rien à m'imposer, c'est compris? Ah,
je ne suis pas ton père, c'est ça? Mais t'es sous ma responsabilité ici. Et après, quoi? Oh, fous-moi la paix. Tu n'es qu'un beau parleur. Je t'avais demandé de nuit. Est-ce que tu me les as donnés? Oui. Et quoi encore? N'importe quoi. J'en ai marre de tes sottises. Ne me dérange pas avec ta cinglée de petite amie. Attends, c'est toi qui as jeté ça à la poubelle? Tu as pris ça dans la poubelle? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Pourquoi t'es venue avec ça dans ma maison? Pourquoi cela te concerne? C'est mon affaire. Je ne voulais pas que tu te fasses des idées. C'est pour ça que je l'ai jeté. Il me semble que c'est toi qui te fais des idées. C'est ma chose, c'est la mienne. Vraiment? Alors, on va en parler là maintenant? Oui, vas-y. Ok. La raison pour laquelle tu penses que j'ai une haute estime de moi, c'est parce que tu as une haute estimation de mes principes. C'est de quel bon talent tu veux parler? Heidi, je ne suis pas stupide. Je sais pourquoi t'es venue avec ça. Tu ne sais vraiment pas. Vraiment? Donc tu veux me dire que cela ne t'a pas effleuré l'esprit, même un tout petit peu? Que cela pourrait bien arriver? Non. Vraiment? Même non. Pas un peu? Non. Tu en es sûre? Ne commence pas. Que disais-tu? Ok. Dis-moi, où est-ce que tu vas? Je sors. Je veux prendre un peu d'air. Bébé, je sais bien que c'est toi qui fais ça. Heidi? Surpris. Qu'est-ce que tu fais ici? Continue le jeu que tu as commencé. Où est ma serviette? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis mise nue et c'est quelle question tu me poses? Je peux être tout, mais un infidèle, non, donc sors. Et si tu me montrais un peu tes prouesses? Où veux-tu aller? Reviens, Heidi, attends non. Un peu. Heidi, non, fais pas ça. Donc tu veux dire que tu n'es pas intéressée par moi? Oh, hey. Bébé. Je le savais. Bébé. Donc, que sais-tu? C'était votre bébé, plan, n'est-ce pas? Bébé, quel écoute-moi, cinéma écoute-moi, que tu faisais, regarde-moi, hein? Toi, je l'ai connu avant qu'une chose comme toi n'existe. Tu la fermes, bébé, bébé, tu la fermes, chose indigne. Tu n'as pas honte de toi, ne parle pas de cette manière. Tu cours après toi, un homme. Tu la fermes, ne parle plus. Regarde-moi okay. bien. Tu n'as pas honte de bébé, toi. Ça va, ça va. Est-ce parce que tu as de l'argent, dis-moi? Écoute-moi, je t'en prie. Il ne veut pas de toi, il te l'a dit. Celui que je connais mieux que ce Dickey. Voilà. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Patiente que tu verras. Va-t'en. Sors d'ici. Va-t'en. Il ne veut pas de toi. Femme indigne. Idiote. Bébé, écoute-moi. Bébé, Dieu, bébé, je vais régler ça, d'accord? Je vais régler ça, hein? Je te le promets. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi tu me fais une chose pareille, hein? Que se passe-t-il ici encore? Hein? Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu es allé chercher dans la douche alors que j'y étais encore?
Hey. Tu n'es qu'une grande menteuse. Hey. Je n'arrive pas à croire que tu la défends. Idara, que veux-tu exactement? Ah, donc tu voulais sortir avec mon chéri, mon chéri? Écoute-moi bien. Tu ne peux pas être le genre de mon chéri, ni aujourd'hui, ni demain. Jamais, jamais. Exactement. Je dois lui dire ou bien tu vas le faire. Oh, ferme-la. Me dire quoi? Ok, Idara, je vais lui dire. Tu n'as rien à dire. Obidiki est mon petit ami. Oui, mon petit ami. Nous avons fait 2 ans avant que je ne mette fin à la relation. Bébé, c'est moi qui ai mis je un terme à ça. Je n'ai pas encore fini. Donc il s'est séparé comme de toi. Comme la chanson de Beyoncé, cette maison que tu vois, je l'ai achetée. Le téléphone qu'il utilise, c'est moi non, qui l'ai acheté. Non. J'ai acheté ce téléphone avec mon propre argent. C'est moi qui l'ai acheté. C'est moi qui ai tout acheté. Alors renseigne-toi bien. Ok, alors, et alors? Tu as acheté tout ça, donc on doit t'applaudir, Idara. Parce que tu achètes tes petits amis, c'est ça? Écoute-moi bien, malgré tout ce que tu as dépensé pour lui, il ne veut toujours pas de toi, est-ce que tu as bien compris? Idara! Arrête ça, Idara! Zike, tu arrêtes ça, Idara! Elle va m'étouffer! Elle va me tuer! Idiote! Tu vas voir ce que je vais te faire! C'est bon, en tout cas! Sorcière, est-ce que tu te prends? Idara, Zike! Laisse-moi lui montrer bien! Allez, reviens, idiote! Joël, allons-y! Allons-y! Bande de bonariens, allez, sortez de ma maison! T'es folle! Alors renseigne-toi bien. Tu es folle! C'est plutôt toi, tu es un bon à rien! Hey, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as? Qu'ai-je fait? Tu veux me créer des problèmes, c'est ça? Pourquoi tu fais ça? Je t'en prie. Salut. Est-ce que tout va bien? Non. Et je peux savoir pourquoi? Mon petit ami et son ex m'ont frappé. Dike? Comment est-elle arrivée ici? Elle est ici avec nous. Ils m'ont laissé croire qu'ils sont des collègues. Si t'es pas en sécurité... Enfin, je veux dire, si tu veux te plaindre à la police de Port-à-Court, je peux te mettre en contact avec un officier de police. En fait, je ne suis pas supposée être ici. Mes parents ne sont pas informés. C'est inacceptable. Sache que la loi condamne sévèrement cet acte. Eh bien, il ne m'a pas touchée, mais il était arrêté là quand elle serrait mon cou. C'est juste là, la trace de ses ongles. Je lui parlerai. Mais tu peux venir rester chez moi pendant ce temps, tu sais. Le confinement finit dans 5 jours. Laisse-moi le temps de réfléchir à ça. Tu veux venir rester chez moi? Non, s'il te plaît. Je n'ai pas assez de force pour me battre avec ta petite amie. Ma petite amie qui n'existe pas. Oui, je n'en ai pas. Tu es sérieux? Bien sûr que oui. Ok, on y va. Ok. Qu'est-ce que c'est? Je suis allé faire les courses. J'ai acheté de quoi cuisiner du riz et de la sauce graine. Tu sais, je ne te comprends vraiment pas, Idara. Jiwel est ma petite amie. Et toi, tu es mon ex. Pourquoi tu veux que ce soit toi que je soutienne? C'est exactement mon problème. Pourquoi? Tu la traites mieux que moi, tu me traitais. Hein? C'est peut-être parce qu'elle n'est pas une femme colérique qui lapide les gens lorsqu'elle est un tout petit peu énervée. Si tu sais que je lapide les gens quand je m'énerve, alors pourquoi est-ce que tu m'énerves?
La vérité est que... La vérité est que, Dike, tu ne sais pas comment t'y prendre avec une femme. Ça, c'est la vérité. Comment veux-tu que je te traite mieux si tu ne fais que me crier des ennuis? T'es trop gonflé. Écoute-moi, tout le monde se met en colère, tu sais. Tout le monde se fâche, mais tu ne les verras pas lapider les autres ou juste parce que quelqu'un s'est trompé pour acheter du pain. Tu trouves ça raisonnable? Seulement à cause du pain. Il y avait la voiture, il y avait ma maman, et il y avait aussi... Non, Idara, ce n'est plus nécessaire. Parce que tu as toujours des excuses. Soit c'est le pain, ou la voiture, ou encore ta maman. Il y a toujours quelque chose. Donc, la dernière fois, j'étais ici avec toi et je t'ai dit que tu étais une personne géniale. Et j'ai bien pesé mes mots. Mais tu sais quoi? T'es aussi très méchante. Sincèrement, là où je ne suis pas... Je me suis crié des ennuis. Tu ne me demandes pas quel ennui je peux avoir? Je pense que tu me le diras quand tu seras prêt. C'est comme ça qu'on communique, Idara. Je me suis assise ici. Je me suis assise juste là en silence. Quoi de plus? Donc je suis censée connaître le langage du corps, c'est bien ça que tu veux dire? C'est moi qui suis têtue. D'accord. Qu'est-ce qui te trouble? Prince ou Bidike? Rien du tout. Sauf que je suis assis avec mon ex. Je suis désolée d'avoir dit ça. J'ai perdu mon boulot. J'étais en train de dire que je n'étais pas vraiment un employé de banque. Plutôt un magasinier. Dans quelle entreprise? De logistique. Mais... Qui peut employer un biochimiste en tant que magasinier? Mais c'est avec quoi tu as acheté tout ça? En fait, c'est juste que j'ai... J'ai pris des avances sur salaire tous les mois et j'ai aussi contracté des prêts à la banque pour acheter tout ceci. Waouh. Donc tu as emprunté de l'argent pour rembourser tes crédits. Pourquoi tu fais ça? Ces fauteuils? La table? Arrête ça, je t'en prie, arrête. Baisse la voix. Je ne veux pas que quelqu'un m'entende. Je n'arrive pas à te croire. Je t'ai laissé pendant 6 mois, seulement 6 mois. Et regarde ce que tu es devenu. Écoute, j'avais perdu tout contrôle, ok? Je pensais pouvoir m'en sortir, peut-être. Peut-être bien que j'allais avoir un job. Le problème est que je devais remplir certaines conditions pour éviter de faire face à certaines... Ouais. Circonstances. Je vois que tu y es arrivé, c'est ça. Je ne sais pas ce que tu as. Où vas-tu? Je vais chercher ma petite amie. Salut. Salut. Que cherches-tu? Il est quelle heure? Il doit être 19h. Ah. Bien dormi? J'ai trop dormi. Je te sers un peu de riz. C'est trop pimenté. Pardon, je n'en veux pas. Je n'aime pas le gaspillage.
La prochaine fois, je ferai attention parce que j'ai une invitée qui n'aime pas le piment. Je dois m'en aller. Vraiment? Oui, au plus vite. Si elle tente quoi que ce soit, je te tiens informée. Si elle recommence, je vais t'appeler. C'est noté. Ok. Tu le feras par appel vidéo. Ok. Merci. Oui, Tiki. Il est parti à ta recherche. Il se quittait. Je t'assure que je ne vais rien te faire. Allez, tu peux entrer. Tu vois, je suis en direct sur Instagram. Si tu essaies encore, je balance la vidéo. Ok. Comme tu veux. Je suis désolée pour l'incident. Essaie d'appeler ton petit ami pour lui dire que tu es rentrée. Il n'est pas mon petit ami. Quelqu'un qui ne peut même pas me protéger. Au fait, c'est ma faute. Et je n'aurais pas dû poser la main sur toi. Ce n'est pas mon problème. Tu sais, moi, je n'ai que faire avec tous ces mensonges, tu comprends? Et en plus, c'est quelqu'un qui est infidèle. J'admire ta sincérité. Vraiment? Je n'ai pas le temps. S'il avait payé ma dot, il n'y aurait pas eu de problème. J'allais faire tout ce qu'une femme au foyer doit faire, cuisiner, nettoyer, mais d'ailleurs pour qui? Pourquoi? Je ne peux pas. C'est normal. Mais DK n'est vraiment pas ce genre d'homme. Ça lui importe vraiment peu que tu prépares, nettoies ou quoi que ce soit. C'est en fait l'une des raisons pour lesquelles je l'aime. Ah, il peut être humble. On aura tout vu. Quand il l'aime, il sait qu'il l'aime. Comment est-ce qu'il ne sera pas humble quand tu es sa sugar, mamie? Ce n'est pas vrai. J'ai fait toutes ces choses parce que je le voulais, pas parce qu'il a demandé. Attends, mais pourquoi est-ce que tu ne le laisses pas en paix? Si tu as fait toutes ces choses parce que tu l'aimais, pourquoi tu continues à le stresser? En fait, tu as raison. Il a un mauvais comportement. Souvent, il m'énerve tellement. Il est si énervant. Idiot. Attends, tu l'aimes? Moi? Non. Tu aimes ce gars? C'est un menteur et un infidèle. Je ne l'aime pas. Alors, que fais-tu ici? C'est une longue histoire. Vas-y, raconte-moi un peu, je veux tout savoir. On ne va nulle part, donc raconte-moi. Pourquoi es-tu ici? J'ai eu des disputes avec ma mère, alors je suis partie de la maison. Tu habitais chez ta mère? Tu étais chez ta mère? Ok, donc tu n'avais nulle part où aller, dont tous les gosses à part ici. Je n'ai vraiment pas beaucoup d'amis. Donc je comprends pourquoi. Tu es une femme très patiente. Me.
Qu'est-ce que tu as dit à JD? Écoute, ce n'est pas bien d'aller accuser les gens de violence à domicile. Et comment tu trouves sécurisant de rester chez quelqu'un que tu viens à peine de connaître? Hein? Tout d'abord, tu n'as pas le droit de me poser des questions. Deuxième chose, tu n'as pas le droit de me parler. Ne me parle pas. Tu n'as même pas le droit de dormir avec moi dans le même lit. Tu sais quoi? Vous deux, vous pouvez dormir ensemble et faire tout ce que vous voulez. J'en ai marre. Écoute ce qu'il dit. Il me fait honte. Allô, maman? Ida Rapangbasi. Ce n'est pas comme ça qu'on traite une mère. Je ne fais que ce que tu me dictes et tu fais comme si j'étais un bébé. Mais tu l'es. Maman. Ok, désolée. Tu sais que tu m'énerves tellement. Mais tu me manques beaucoup et aussi je t'aime. Tu sais ça au moins, n'est-ce pas? Je sais, maman. Et je t'aime aussi. Combien as-tu dépensé dans cet hôtel? N'oublie pas que tu as des employés à payer. Je ne suis pas à l'hôtel. Je suis venue chez Dike. Oh, Idara, tu es allée chez ce jeune garçon. Est-il mort? Non. Au revoir, maman. Je reviens samedi. Ah, ok, génial. Parce que tu me manques. Et je suis couchée sur ton lit. Tu me manques tellement. Je te manque aussi? Juste un peu. Maman, juste un peu. Allez, bonne nuit. Comment tu te sens? S'il te plaît. Parle-moi. Dis-le-moi, je vais te donner des conseils si tu veux. Hein? À quoi? Ah, tu vois... Je suis une conseillère pour toi. Dis-le-moi, ne me cache rien, s'il te plaît. Je vais te choquer. En fait, j'ai créé une page sur les réseaux sociaux où je conseille les gens concernant leurs problèmes de couple. Ils pensent que je suis déjà mariée et tout ça. J'ai 6000 abonnés. Non, non, je ne dirai pas ça. Donc tu veux voler mes conseils? Non, non, tu ne peux pas me raconter des histoires. Juste pour que je les poste comme si c'est moi qui les avais écrites, suivies de conseils. Tu as vu que je suis maligne, n'est-ce pas? Bébé. Est-ce que tu pourrais m'écouter un instant? Dike, s'il te plaît, arrête de me parler avec ce faux accent. D'accord. Tu n'entendras plus ça. Quoi? Je voudrais m'excuser pour la dernière fois. Non, ce n'est pas nécessaire. Selon ce que mes abonnés ont dit, il n'y a rien à espérer dans cette relation, tu comprends? Et je suis tout à fait d'accord. Tes abonnés? Donc tu postes notre intimité sur les réseaux sociaux? Je ne peux pas te faire confiance, je ne peux pas être sérieuse avec toi quand tu parles avec ce faux accent. Ce n'est pas possible. Mais tu ne t'es jamais plainte auparavant? Ah bon? C'est ce que tu penses. Prends exemple sur JD. Il ne se donne pas une fausse apparence comme toi. Il est ce qu'il est. Il n'y a rien de faux en lui. JD est devenu ta référence?
Quelqu'un que tu viens à peine de connaître. Mais il m'a montré des choses que tu n'as pas pu faire depuis des mois. Tu es vraiment RH dans une banque? Est-ce que tu as vraiment une voiture? Et quelque part dans un garage, en maintenance? Ou... Non. Plus la peine de continuer cette conversation. Donne-moi mon transport. Je pars d'ici. J'aime celle-là. Vraiment? Oui. Moi, je pense qu'elles sont toutes belles. Celle-là, par exemple. Mmh. Regarde. Ok. Attends que je zoome là-dessus. Oh. Qu'est-ce que tu fais? À quoi penses-tu? Nous ne devrions pas faire ça. Et pourquoi? Dicky? Il est mon voisin et je ne peux pas sortir avec sa petite amie. Je suis malade. Non. Non. Yes, tu es trop proche, recule un peu, respecte les mesures barrières. Désolée, madame. Oh. Bonjour, maman. Oh, Duquet, comment tu vas? Je vais très bien, comment allez-vous? Eh bien, je vais bien, tu vois. Elle m'a abandonnée toute seule ici. Au moins, Dieu merci, elle est allée chez toi. Tu es toujours si gentil avec elle. Merci beaucoup, maman. J'ai quelque chose pour vous. Du croissant, ça vient fraîchement. Waouh, c'est gentil de ta part. Attends que je... Oh. Je vais désinfecter. Désolée. Oui, on n'a plus le choix. Nous sommes à l'ère du Covid. Oui, tu vois. Eh bien, merci beaucoup, j'apprécie. Dis-lui merci pour les croissants. Je t'en prie, maman. Porte-toi bien. J'espère qu'elle ne te cause pas de troubles. Si c'est le cas, mets-la sur ta moto et renvoie-la ici. Pas du tout, maman. Je vais y veiller. Oh, ok, je veux bien voir ce que ça va donner. Ouais. Merci beaucoup. Oh, c'est rien, maman. Ça sent bon, ça sort fraîchement du four. J'aurais bien voulu envoyer ça aussi à maman. Je lui ai déjà envoyé. Oh. Tu en as acheté pour maman? Oh, comme c'est... C'est... génial. Merci. Je t'en prie.
Heidi. J'espère que tu ne vas pas recommencer encore. Tu avais raison. J'ai passé quasiment tout mon temps à mentir et à me préoccuper des choses inutiles. Je n'ai absolument rien réalisé de concret dans ma vie. Donc, je veux travailler avec toi. Je veux me charger de faire les livraisons. Tu pourras me payer avec le salaire qui te conviendra. Je vais devoir vendre tous les objets de luxe. Et même les meubles de qualité pour aller... T'es vraiment sérieux? Je n'ai vraiment pas le choix. En fait, je dois tout reprendre. Je dois payer toutes mes dettes et partir de cette maison pour trouver une maison un peu moins chère que je pourrais payer facilement. Où peux-tu aller? Oui, pour les autres. Mais techniquement, cette maison m'appartient, donc tu peux y rester. C'est vraiment gentil. Mais n'insiste pas. Je veux dire, tu peux rester, vivre avec moi. Parce que je ne veux pas partir d'ici. Attends, tu veux rester ici? Oui. Et je peux racheter tous les objets de luxe que tu détiens. Ok, d'accord, mais je tiens toujours à partir. Ok. Je t'en prie. La seule condition pour laquelle je pourrais t'employer, c'est seulement si tu vis avec moi, pour te surveiller, bien sûr. Je le savais. Tu savais quoi? Je le savais. Je savais bien que tu m'aimais encore. Pardon. Je pense que là, tu te surestimes. Et moi aussi, je t'aime encore. Et je sais aussi que tu penses beaucoup à moi. Hé, hey, Heidi. Allons prendre une douche. C'est avec moi que tu joues. Merci. C'est gratuit. Attends que je ferme ça. Alors, tu vas m'appeler, n'est-ce pas? Oui, si tu m'envoies des unités. Prends soin de toi, ok? Ah, ok. Merci pour tout. Va-t'en avant que la pluie ne te mouille. Attends. Où vas-tu? Devant. Ce n'est pas possible. Ah, bébé. Va t'asseoir sur le siège arrière. Dans ma propre voiture? Je t'assure. Mon ami, il faut l'aider à monter, hein? Comme vous êtes de très bons amis. Dans ma propre voiture? Moi-même, je ne la comprends vraiment pas. Attrape, je vais ouvrir la portière. Tu ne vas pas partir? Non. Tu as un problème avec moi? Non. Ok. Pas du tout. Parfait. Maman dit de lui acheter du pain à notre retour. Achète son pain, ma chère. Tu ferais mieux d'aller voir ta maman avec son pain, ça je peux te le promettre. Il est vraiment très facile d'être apprécié par sa maman. Je ne sais pas pourquoi vous ne vous entendez pas. Il se met de son côté. Donc, vous avez passé 2 ans ensemble, c'est ça? Comment vous vous êtes connus? Écoute, nous ne sommes plus ensemble, donc tu n'as plus le droit de me parler, ni de me poser des questions, et encore moins le droit de dormir dans le même lit que moi. Calme-toi, Dicky. Alors, où vous vous êtes rencontrés? À la boulangerie. Il y avait un rang. J'étais pressée et il est venu m'aider à avoir un pain. Pour du pain? Vous avez passé 2 ans ensemble? Quant à moi, mes relations ne dépassent même pas 6 mois. Je me demande pourquoi. Tu te demandes quoi? Pourquoi est-ce que tu fais comme si tu as le cœur brisé, hein?
Allons, raconte-moi tout. C'est une très longue histoire. Ah ouais. C'est vraiment long, mais je peux tout te raconter si tu veux. Ce n'est pas nécessaire. Merci. Je pense qu'on est arrivé. C'est par là. Oui, tu peux garer juste garer? Là. Ok. Où je pourrais traverser. D'accord. Ok. Merci de me descendre ici. Je suis arrivée. Gare ici. Ok. La porte est-elle déverrouillée? Oui, bien sûr. Ok, bye. Bye. Donc, j'espère que vous allez m'inviter à votre mariage. Quel mariage? Vous n'allez donc pas vous marier? Hein? Ma chère, ça va, tu peux t'en aller. Allez, vite, au revoir. Oh, ok, au revoir. Bye. Bye. Il ne revient plus jamais. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, on a réussi à s'entendre. Vu que nous nous sommes couchés sur le même lit pendant un bon moment, ça a favorisé la réconciliation. Tu sais, tu ne m'as pas encore présenté tes excuses. M'excuser pourquoi? Tous ces repas que j'ai faits, c'était pourquoi, selon toi? Tu te sers de la nourriture pour t'excuser? Oui. Et tu ne m'as pas dit merci, d'ailleurs. Ah, la manière dont j'ai mangé, c'était pour te dire merci. Donc on est égalité. Tu penses? Je te le dirai quand on sera à égalité. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc tu veux dire quoi? N'oublie pas de passer à la boulangerie pour le pain. Idara Benson, pour l'amour de Dieu, cette voiture est vieille. Quoi, tu élèves ta voix? Je suis désolée. Nous voici encore, c'est ça? Exact. Je dois leur montrer quelque chose. Fais-moi confiance. J'ai tout mélangé là-bas. Ils Je suis fier de toi. Ils ne savent pas, ils n'ont encore rien ils vu. Ils ne savent pas, ils n'ont encore rien vu. Ils n'ont encore Allez, rien prends vu. Allez, prends mes cinq. Va changer ça.